Bonjour à tous, le public s'impatiente un petit peu ici au stade Groupama. Il faut dire que le coup d'envoi est tout proche. C'est Hervé Matou qui vous parle en compagnie de Pierre Ménès, avec un match qui s'annonce très intéressant. L'Olympique Lyonnais contre le Celta Vigo. Oui, ça se précise dans cette compétition. 8 équipes encore en course, c'est un seul objectif, les demi. Voici la composition d'équipe locale. Dans les buts, Anthony Lopez. Léo Dubois en défense avec Fernando Marsal. Oussem Aouar sera dans l'entrejeu avec Lucas Touzard. Et pour terminer, un seul joueur en pointe. Ah ouais, bien défendu. La composition du Celta Vigo qui s'affiche sous vos yeux. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais... au fil du match, on revient souvent à ce système. Attention, il n'a pas capté le ballon, Lopez. Bien dégagé, hein, ce ballon qui était dangereux. Ouais, il protège bien sa balle. Ça n'ira pas plus loin. Allez, touche. Tiens, gros plan, Pierre, sur deux joueurs dont nous allons suivre la performance dans ce match. C'est bien normal, hein. Il y a de la qualité chez ces garçons et à mon avis, ils risquent d'influer grandement sur le jeu de leur équipe respective. Hugo Malo. Derrière, il continue d'avancer. Rafinha. Osmanov. Oh là là, l'occasion. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. Hugo Malo. Pedro Smolov. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Rafinha. Un joli petit numéro de tiki-taka. L'action qui se poursuit. Trouver une option disponible. Rafinha. Martin Terrier. Lucas Touzard. Traoré. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Non, elle a été interceptée cette passe. Rafinha. Fedor Smolov. Et il gagne quelques mètres. Lucas Touzard. Oh, attention, il est pressé, il est pris, ça peut être dangereux. Le club lyonnais qui est très fort en formation de joueurs. Il y a un nombre de joueurs passés par l'OL dans le foot européen, incroyable. Oui, puis ce qu'il y a de très fort dans la formation à la lyonnaise, c'est cette propension à former des attaquants et des joueurs offensifs. Ça, c'est assez incroyable. Hugo Malo. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Marsal. Heureusement qu'il était là. Avec un tir. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Et le gardien qui remporte son duel. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il le fait. Est-ce que vous avez un favori, Pierre, pour ce match? Non, Hervé, non. Franchement, non. Je m'attends à un match serré avec des joueurs lyonnais qui connaissent la qualité de leur adversaire. Oh, il y a des solutions, il y a danger. La voix se passe. Ouais, il a bien repris, in extremis. Ce ballon en profondeur.
Ouais, il y a une frappe de Mulle, mais qui ne sert vraiment à rien, qui passe très largement au-dessus. Oui, avec les supporters qui commencent un peu à s'impatienter. Je ne pensais pas que leur équipe se créerait aussi peu d'occasions aujourd'hui. Hugo Malo. Il y a quoi, ça se passe ? Rafinha. Ah, l'attaque enrayée. Ah, pas mal le pressing de cette équipe. Martin Terrier cherche une solution. La passe est interceptée. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Carton jaune pour cette faute. L'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. Léo Dubois. Marcelo. Lucas Touzard. L'arbitre qui laisse l'avantage à l'OL. Continuez. Les Lyonnais qui font vivre le ballon. On se trouve bien, ça joue bien. Ah, la passe en profondeur, attention. C'est le gardien qui a le ballon. Ouais, ballon facile, hein. Il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Non. Il a bien réfléchi quand même, on dirait. Pedersmolov. Rafinha. Denis Suarez. Il s'infiltre, attention. Allez, l'occasion peut-être de mener. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Il prend sa chance. Elle frappe contrée par le défenseur. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Et on vient d'assister à un très beau bras de fer hein, au cours de cette première période. Les deux équipes font jeu égal, le score est serré. Et je pense que ça va encore plus s'animer autour des vestiaires. C'est l'autre partie ici. Début de la seconde période à l'instant. Rafinha. Allez, on va jouer de l'autre côté. Encore un bon ballon. Ah, la bonne qualité de ses passes. Rafinha, ils font tourner, ils prennent leur temps. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Oh, la faute, oui, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Ah, c'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Traoré, Lucas Touzard. Le ballon qui change de possession. Bien protégé ce ballon. Faute sanctionnée, c'est un coup franc. Rafinha. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Rafinha. Il y a quoi, ça se passe. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Lopez qui relâche. Attention.
Ils vont bénéficier de la touche. Santimina. Allez, faut centrer vite. Sur position avec son corps pour protéger la balle. Léo Dubois. Traoré. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Oh, il a de la place devant lui. Le ballon qui est perdu, mal négocié hein, ce contre. Oh, il est un petit peu pris là quand même. Le ballon a été dévié, ça sera une touche. Il y a quoi, se passe? Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Dasmanov. Ouais, le tacle, superbe geste. Il donne dans l'axe, attention. Hugo Mano. Rafinha. Le Lyonnais qui essaie de porter le danger. Ouais, il est en bonne position là pour centrer. Oussem Aouar. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Tout le monde s'est un petit peu regardé, mais l'attaquant a fait l'effort. Dasmanov. Occasion de prendre l'avantage. Léo Dubois. Dallaïa. Marsal. Le lancer sera en faveur des Lyonnais. Oussem Aouar. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. Non, elle a été interceptée cette passe. Moussa Dembélé. Rafinha. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? La contre-attaque qui se développe petit à petit. Et finalement, elle ne donnera rien à cette contre-attaque. Martin Terrier. Mitrione qui donne de la voix, si l'OL ne marque pas maintenant. Attention, ça peut faire but. Et le gardien qui remporte son duel. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Ah, non, c'est un ballon perdu bêtement, ça. Une rencontre de coupe dans la plus pure tradition des matchs à élimination directe. Le score est toujours aussi serré. Personne n'est parvenu à prendre l'ascendant. C'est un poil crispant. Oussem Aouar. Oui, bien fait ça. Et il n'a plus qu'à la mettre au fond. À 7 minutes. Hein. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. L'OL qui récupère ce ballon. Il protège son ballon. Santimina. Rafinha. Lagoa se passe. Allez, l'occasion peut-être de mener. Et le but! Il laisse l'adversaire prendre un but d'avance dans ce match du bouclier IE. Attention à ne pas se laisser endormir. Il ne faut surtout pas que l'adversaire puisse poser son jeu. C'est surtout ça qui est primordial maintenant. On sentait que ce but allait venir et bah, il a fait mal, il fait très mal.
C'est vrai qu'en marquant là, ils viennent peut-être de réaliser le plus dur. L'entraîneur qui procède à un changement alors que son équipe est menée. Et le joueur sort après une prestation assez moyenne, on va dire. Et si c'était le bout de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé. Hein, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Rafinha et Smolov. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Et une qualité de passe dans cette équipe. Les joueurs se trouvent. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs intelligents. L'intelligence, même en foot, ça aide. Bonne protection de balle, là. Et ce sera un coup franc. Comment vont-ils le jouer? Allez, un coup franc bien placé pour plier l'affaire. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on s'y attendait. L'arbitre qui met un terme à cette rencontre. Et voilà, c'est terminé. La route qui s'arrête donc à ce stade des quarts de finale. Oh, c'est vrai que c'est un peu cruel, Hervé, mais enfin, quelque part, c'est le meilleur qui s'est qualifié. Hein.